Merci à tous de nous faire confiance. Bienvenue à votre journal. On commence ce journal en santé. Province du Lualaba, plus de 40% des enfants frappés par la malnutrition. Voilà ce qui est ressorti d'une rencontre tenue ce vendredi à l'hôpital général de référence Mwangeji entre différents chefs des divisions impliquées dans le secteur de la nutrition, notamment la division provinciale de l'agriculture, pêche et élevage. Après études et investigations menées par les professionnels de santé, les résultats confirment la province du Lualaba est bel et bien touchée par la malnutrition. Une situation générale alarmante provoquée par plusieurs facteurs. La cause de la malnutrition sont multisectorielles. Raison pour laquelle si on veut lutter contre la malnutrition, il faut le lutter selon le secteur sensible. Nous avons un problème de production agricole qui nous avons défini les aléas qui peuvent toujours qui sont en rapport avec la santé ou bien avec les autres secteurs, la sécurité alimentaire. Si rien ne fait, donc on risque de ne pas giguler ou bien renverser cette situation qui est dans la province. Le tableau est au rouge. Plus de 40% des enfants dans la province en sont victimes. Renchéri Donatien Kalala, coordonnateur du programme national de nutrition au Lualaba. Le taux de la malnutrition, si on veut parler de la malnutrition chronique, nous avons un taux de malnutrition de 42,9%. Tant qu'on ne devrait pas, vous avez vu, on a présenté les indicateurs, il fallait être en bas de 35 au niveau national, comme c'est national, mais ici au niveau de province, il fallait avoir un seuil inférieur à 20%. Une réunion est envisagée incessamment entre spécialistes du domaine pour installer un comité multisectoriel afin de lutter contre la malnutrition dans la province. Lutte contre la présence des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Ce projet lancé il y a peu dans la province du Lualaba produit déjà de fruits. Environ 200 enfants sortis dans différentes carrières de la ville de Kolwezi sont orientés vers la préparation professionnelle pour l'apprentissage des différents métiers. Le détail dans cet élément des passions par Parker Kabamba. Filles et garçons, ces jeunes ont été retirés dans différentes carrières de la capitale mondiale du cobalt pour être affectés dans la formation professionnelle, pour l'apprentissage de plusieurs métiers tels que la mécanique, la coupe et couture et bien d'autres. La chef de division du genre famille et enfants n'a pas manqué à interpeller la conscience de tous sur les bien fondés de cette initiative. Moi, je suis allée à ma formation professionnelle. Elle dit, vous allez effectuer des formations professionnelles qui vont vous permettre à s'intégrer dans la société. Par exemple, la mécanique et la coupe et couture, c'est vraiment rentable. Poser la question à ceux-là qui exercent cette activité, ça dépasse même nous qui travaillons régulièrement dans des bureaux. Autrefois qualifiés de vulnérables, ces enfants ont exprimé leur satisfaction de cette nouvelle approche de la vie. Moi, je faisais les crisages. Et d'ailleurs, ce n'était même pas trop rentable, pourtant c'était trop risquant. Le peu d'argent que j'ai gagné, ça me permettait peut-être à s'en procurer des habits. Cette campagne initiée par le gouvernement provincial du Lualaba s'est poursuivie dans l'objectif de lutter contre la présence des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Madame, Messieurs de la ville de Kolwezi, direction la deuxième ville de la province du Lualaba, la ville de Kasaji, pour parler vol des câbles électriques. Huit présumés voleurs de ce câble électrique haute tension sont tombés entre les mains des services de sécurité de la ville de Kasaji. Ce dernier travaillerait en collaboration avec quelques expatriés, notamment les Zambiens. Le détail avec notre correspondant sur place, Saj Mbavu Mbavu. Huit nouveaux voleurs des câbles électriques haute tension appréhendés en flagrance délit de vol à Kawayongo, village situé à 45 km de la ville de Kasaji, dans les nuits du 9 et 10 juin 2022. Sur le champ, le constat est très amer. Plusieurs rouleaux à câbles électriques par terre, les pylônes dévissés et coupés même à terre. Présentés à l'autorité de la ville et les conseils de sécurité, ces inciviques dénoncent que les circuits se réalisent avec les Zambiens qu'ils n'ont pas dénoncé sur place.
comment l'opération s'organise sur terrain. Il se sert de machettes, haches, birins, marteaux pour ne citer que cela, tout en plaçant une équipe de surveillance qui ferait signe en cas de tout mouvement. Ce bilan glorieux des traques des 10 voleurs obtient sa réussite grâce au commandant police Sitz Kawayongo, Wei Fan Jean, avec le soutien de la population bien sûr. Pour le commandant police commissariat Kawayongo, la détermination fera toujours l'objet de son savoir-faire, envie de sauvegarder ses biens publics obtenus avec 1000 peines et même empêcher cette chaîne d'inciviques qui remet du jour le jour à genoux toute une légion d'individus. Signalons qu'à ce sujet, la ville de Kasaï tend vers 7 mois sans courant électrique et les dossiers des 10 inciviques se trouvent entre les mains de la justice qui démontrera son savoir-faire. De Kasaï Ville, Sajumba Vumbavu, Wangoma Radio. Nous avons appris le procès public en chambre foraine sur ce voleur se tiendra dans la ville de Kolwezi d'ici quelques jours. Changement des chapitres dans l'objectif de s'imprégner de la théorie apprise à l'école à la pratique sur le moyen des communications modernes. Les élèves du complexe scolaire La Merveille, les élèves de l'école maternelle ont effectué ce vendredi une visite dans les installations de la radio Étoile Jaune. Le détail avec Passion Parker Kabamba. Concilier la théorie à la pratique sur les moyens de communication modernes. Tel est le mobile de la présence des bambins de la maternelle du complexe scolaire La Merveille dans les installations de la radio-télévision Wangou. Partant de la salle d'attente jusqu'à la régie télévision, ces apprenants ont pris connaissance des matériels qui constituent les moyens de communication modernes. Nous sommes... Satisfaction pour la directrice de cet établissement scolaire privé. Nous sommes très satisfaits d'abord de votre accueil. Vous nous avez bien accueillis et vous avez bien expliqué aux enfants. Les enfants, quand même, ont bien été. Nous avons voulu qu'ils puissent venir voir sur place ce qui se passe à la télé, voir comment on fait l'émission, ce qu'on réalise pour que les enfants puissent voir à la maison, ce que nous voyons à la maison à partir de la télé. On voulait voir qu'on nous explique que les enfants aient une idée sur ce qu'ils ont vu à l'école. L'école maternelle La Merveille est située au quartier Kamagnoula de la commune de Manika. Madame, Messieurs de la province du Lualaba, direction la province du Katanga. Comme prévu, le roi Philippe, roi de Belge, est arrivé ce vendredi dans la ville de Kolwezi par l'aéroport international de la Luano. Au pied de l'avion était le gouverneur de la province du Katanga, Jacques Kiabula Katwe, le premier ministre Samalou Kondé, ainsi que d'autres personnalités pour offrir un accueil chaleureux au couple belge. Les images feront désormais date dans l'histoire belgo-congolaise. Après l'étape de Kinshasa, pour la première fois, le roi Philippe a foulé les sols de la ville de Lubumbashi. Sur le tapis rouge, le couple royal a été accueilli par les gouverneurs des provinces du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, le premier ministre congolais, Jean-Michel Samalou Kondé. Les musiciens de la garde présidentielle ont aussi décoré la cérémonie purement solennelle. Après les salutations chaudes avec les officiels congolais, le couple royal est resté suspendu à la danse folklorique. Après les festivités à l'aéroport international de la Luano, un long cortège s'est enfoncé dans la capitale qui préfère. Sur les artères principales de la ville, plusieurs centaines de milliers de personnes ont assisté à cette arrivée historique. Au bord de la route, en voiture ou en moto, les Louchois ont réservé un accueil chaleureux et populaire au couple royal, preuve de la ferveur autour de cette visite. Cette banderole à l'effigie du roi de la reine, nous vous souhaitons la bienvenue. Les rois des Belges entame son voyage hautement symbolique dans le Grand Katanga aux nombreux enjeux. Reportage d'Eben Moland, un de nos envoyés spéciaux dans la ville de Lubumbashi pour l'accueil du roi Philippe. Nous restons toujours dans la ville de Lubumbashi pour parler de cette arrivée du roi Philippe. À peine juste après son arrivée, le roi Philippe ainsi que la reine Mathilde ont pris la direction de l'amphithéâtre de l'excellence de l'université de Lubumbashi où un échange a vécu entre le couple royal ainsi que les étudiants de cet alma mater. Le roi Philippe a prononcé un discours devant les étudiants.
L'extrait de ce discours nous est choisi ici par nos envoyés spéciaux Ben Moland, Gloire Bonza ainsi que les autres. C'est pourquoi je n'hésite pas à dire que la vraie richesse du Congo, c'est vous, les jeunes, avec votre détermination et votre enthousiasme. Une mine, on peut l'épuiser. Le talent et la volonté de la jeunesse, sa soif de savoir, par contre, sont inépuisables. Nous serons à vos côtés pour vous appuyer autant que possible à mettre en valeur, au profit de toutes et de tous, équitablement, ces richesses naturelles à travers ce formidable capital humain dont vous êtes les représentants. Il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a pas de paix sans développement. La Belgique est à vos côtés pour relever ces défis. Nous portons ce message également au sein de l'Union européenne et des Nations unies avec conviction et persévérance. Ces appuis trouvent leur raison d'être dans la volonté des Congolaises et des Congolais de travailler à la concorde et l'inclusion de tous. C'est ce qui nous motive et c'est le message que je ramènerai avec moi en Belgique. Ishi Unilu, Ishi Congo, Urafiki Katia Belgique, la Congo Unadumu. Le roi Philippe, dans cet extrait choisi par nos envoyés spéciaux dans la ville de Lubumbashi. Changement des chapitres. Prévu du 2 au 7 juillet prochain, l'arrivée du pape François en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo, mais également au Soudan, a été reportée à une date ultérieure. L'annonce a été faite par Monseigneur Donatien Chollet. Communiqué du Saint-Siège sur le report du voyage apostolique du pape en République démocratique du Congo. Acceptant la demande de ses médecins et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet, à une date ultérieure qui reste à définir. Nous allons parler sport avant de pouvoir nous quitter. Le sélectionneur national des Léopards, Hector Cooper, a été limogé par la Fédération congolaise de football association. Ceci fait suite à la non-amélioration des performances de l'équipe nationale. King David Bonzé. Si les deux défaites face au Gabon et au Soudan dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 en ont été des trop, mais l'échec face au Maroc dans la double confrontation du Mondial Qatar 2022 a été plus qu'une humiliation pour la Fédération Congolaise de Football Association. L'instance fêtière du football congolais a finalement trouvé son bouc émissaire pour justifier un contrat d'objectifs complètement bâclé. Raoul Hector Cooper a été jugé non à la hauteur des objectifs qui s'étaient fixés la FECOFA pour 2022 et 2023. Au bout des 13 mois d'activité à l'air Cooper, les Léopards n'ont glané que 3 victoires en 13 matchs joués. Le reste, que des nuls et des défaites. Le sélectionneur n'a plus de place à la fédération. Il faut qu'il y ait des nouveaux animateurs. Et puis au niveau du ministère national des Sports, il faut que ses dirigeants sachent s'arrêter par rapport à leur bien évidemment travail. Parce que par moment, les ministres jouent le rôle de la fédération en organisant les matchs. Qu'il y ait des nouveaux animateurs, s'arrêter par rapport à leur corps grave, c'est parce que par moment, les ministres... Le départ du technicien argentin présage-t-il un avenir radieux pour la sélection nationale? Cédric Bakambu, ancien capitaine des Léopards, pense quant à lui que c'est tout un système qu'il faille revoir, faisant allusion à la mauvaise organisation au sein de la FECOFA et d'autres instances du football congolais. Madame, Messieurs, c'est la fin de votre journal. Merci
À vous de nous avoir suivis.